Cyberespace. Technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0. Cyberespace sur Algérie 3. Samy, bonjour. Bonjour Soraya. Alors ce matin, nous parlons de ces nouvelles façons de plus modernes pour organiser les moyens de production, des concepts qui utilisent la technologie pour avoir un contrôle plus connecté et automatisé, des concepts liés à la quatrième révolution industrielle et ou l'industrie 4.0. Alors le secteur oil and gas qui pourrait également profiter de cette numérisation, de ce recours aux nouvelles technologies pour gagner en efficacité, en rapidité et surtout en précision, car chaque décision s'appuie sur une donnée, sur une statistique générée ici et là. Combien de fois la machine s'est arrêtée, à quel moment, pourquoi, à ce moment-là, l'ordinateur prend le contrôle pour nous donner toute réponse instantanément. Une industrie plus connectée qui a recours à des méthodes plus sophistiquées, chaque machine, moteur ou turbine peuvent être alors repliquées en 3D, voire visionnées à travers la réalité augmentée ou virtuelle, ce qui permet un diagnostic plus efficace pour trouver les composants, les pièces défaillantes, une sorte de monitoring en temps réel qui peut également accomplir une simulation ou entraîner le personnel sur des cas bien précis. Automatiser des tâches et des processus, c'est aussi avoir une meilleure gestion, un meilleur management du personnel, le réorienter par exemple vers des tâches jugées plus urgentes. La décision est bien évidemment basée sur de la donnée en temps réel. D'autres possibilités apparaissent alors avec l'avancement de l'intelligence artificielle, comme son exploitation avec la sismique 3D pour générer des algorithmes afin de faciliter l'exploration pétrolière et gazière, ainsi que l'optimisation des forages. C'est un peu ici la vision de l'industrie 4.0 qui s'appuie principalement sur l'usage du numérique, sur l'interconnectivité des différents procédés industriels pour améliorer à la fois les conditions de travail et les performances en termes de production pétrolière et gazière.